Croyant, donc je répète, la flicade de ce soir, t'as tout ce qu'il faut déjà de base? On a ce qu'il faut. Ils mettent les urophares, même pas la sirène. Ils réfléchissent avec son qui. Voilà. Les amis de mes amis ne sont pas tous de la famille. T'as fait un franprix, le casse de ta vie. C'est bon, ferme ta gueule, bah les coups de ta vie. Les frères, on la dalle en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des édicts, sacoche élevée. Fais pas la mala, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7. Mais les litres à l'arrêt de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagla ça paye pas? Qui a dit que la hagla ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des aspas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. On comprend de la pregunta, elle veut la bague de cette grosse tasse. Mito Cogno, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as qu'à te lever tôt. Qu'est-ce, qu'est-ce, je veux une grosse caisse. Frotte, frotte, le bas de caisse. Frotte, frotte, le bas de caisse. Hestes, avaler SS. Il veut quoi, lui? Wesh, ça va ou quoi? Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ouais, tranquille, ça raconte quoi? Vous êtes beau, vous êtes vraiment beau, monsieur. J'adore les roses. Et votre chemise aussi, j'aime beaucoup. Ben moi aussi, j'aime bien votre chemise, en vrai. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Aboubacar, et vous, monsieur? Ouais, Aboubacar, tu viens d'où? Je viens du Nigeria, monsieur, je suis d'Algérie. Ah ouais, ça fait longtemps que t'es noir? De quoi, monsieur? Ça fait longtemps que t'es noir? Un peu. Ça date, fait, je me rappelle plus. Bah change un peu, Croyant, change. Croyant, je vais te laisser, je vais aller faire de l'illégal. De quoi? T'es un malfrat? Non, je suis un malfamé, moi. Un très malfamé, moi. Putain, je vais appeler mon fournisseur, là, j'ai 200 kilos de cocaïne qui arrive, là. Du coup, je vais filer. Ça marche? D'accord. Vas-y, abracadabra, on se capte. Bisous, cocaïne. Allô? Ouais, ça va ou quoi? Ouais, salam alaikum, ça va? Ça raconte quoi, là? Eh, on est là, là je suis en voiture tranquillement. Vas-y, viens, voilà. viens au PRK CTRAL. PRK Viens au 24HR PARKING. IENG. Au 24HR PAR. Mais c'est moi, je suis venu dans le quartier bleu ou quoi? Attends, t'es où? Là je suis là dans 5, 4. Monte. Salam, ça va ou quoi? Salam, ça va quoi? Ouais, c'est qui? C'est Tobias. Oui, non, mais à côté. Oh, c'est Hamid. Wesh, Hamid, ça va ou quoi? C'est quoi? T'es sorti des hypes, c'est bon? Ouais, ça y est, mais normalement, si tout se passe bien, je rentre ce soir. Ah ouais, si tout se passe bien, bah ce soir, de toute façon, il y a Flika. Soit je vais péter le pactole, soit je vais au hypes. Bah, soit on te pète le cul, soit c'est le pactole, hein, Roya, c'est. Allez, c'est parti, Inch'Allah le pactole. Soit l'un, soit l'autre, hein. Le cul c'est bien aussi. Hein. Oh Seigneur! Oh, ah, ils sont malins! Attends, j'énerve. Ah, t'es où? Ah ouais? Fais gaffe, je vais te tirer dessus, je suis un déglingo! Arrête de crier, arrête-toi sur le bas côté! J'ai l'impression qu'il en a rien à faire de ton arme. Ouais, je. Flicka en quoi? Non, je te dirai après, t'inquiète. Mais Roya, écoute, hein, je vous donne des indices, d'accord? Oui. Flicka, voilà. Mouette, ouais. Pigeon. Avion, flaque d'eau, et pyramide. Pyramide. Les mouettes sont des avions réellement qui sautaient dans l'huile par rapport à l'eau. Ouais, non, pas trop. Non, ok, pas trop. Je répète. Flaque d'eau, pyramide. Putain, mais oui. En plus, j'ai une arme. Tu veux pas laisser rouler? Vas-y, j'ai réussi. Non, laisse-moi rouler. Je te mets une musique, d'accord? Vas-y, mets. C'est pour le copyright. Tobias, c'est moi. La grosse pétasse. Attends, arrête-toi. Attends, je leur parle. Attends, je leur parle. Tu veux pas que je leur parle? Si. Viens, attends, j'ai remis une fuite là, c'est bon. Non, mais. Ah, Seigneur! Bah ouais, mais quelle fuite? Allez, viens, on va leur dire. Ah, c'est délire. Hey! On va à la plage, on va prendre des jet skis! Salut les filles! Salut! Là, on prend les jet skis là? Non, tu vas à Marina. Oh, ils ont dit qu'ils vont décrocher. Va Marina. Et là, tu vas tout droit. Tout droit. Tout droit, voilà. Ah ouais, super les plans. Allez les gars, on lâche rien. Allez, allez.
Allez, on court, on court, on court, allez, on court, on court, on court. Monsieur, je suis mouillé, tu me tâches tes mères. C'est quoi le planning après Ernest là? Oh, regarde, tu cours, mais moi en même temps, je sais même pas pourquoi je cours, mais je cours quand même. Venez, prendre les vélos, venez, prendre les vélos. Vas-y, là, c'est droite, ici, les vélos, c'est ici. Viens pour toi, viens pour toi. Ah merde, il y a des cactus, ça pique. Stop. Lève ta main. Allô? Ouais, ça va ou quoi? Oui, c'est un poursuite, un vélo. Ah ouais? Oui, jure. Viens sur l'arrêt de 54. 54, vas-y, j'arrive. Je t'envoie ma pause ou? Vas-y, vas-y, un point. Vas-y, j'arrive. Ouais, vas-y, bisous. Attends, je dépose juste mon flingue. Ah, salut. Salut. Allô. Il est où, ouais. Hamid? Il s'est fait attraper, je crois, il m'a dit. Ah, ils arrivent, roule, 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 roule. La tête de ma mère que je vais pas vous perdre. Tu sais, je voulais aller où? Je voulais aller au bar. Ah, il me cherche encore, regarde, il est là-bas. Bon, je suis pas censé le voir, tu vois. Mais... J'ai entendu le vélo. Ils sont déter. Le pire, c'est que j'ai rien fait. Le pire, c'est que pour une fois, j'ai vraiment rien fait. J'étais juste dans la voiture avec Tobias. Moi, je savais pas qu'il y avait les flics derrière eux. Allô? Ouais. Ça va ou quoi? Ouais. Tu peux venir me chercher? Tu t'es pas attrapé? Non. Je suis caché. Vas-y. Vas-y, je t'envoie. T'es où? Je t'envoie. Vas-y. Vas-y, bon. Mais pourquoi t'étais comme en plein par terre, ouais? Mais comment t'étais libéré? Et on va le... Comment ça j'ai libéré? Mais Roya, je me suis échappé, Roya, qui est libéré? Non, mais bien joué, en vélo? Bah oui, en vélo et à la nage. Bien joué, non, bien. À la nage. Ouais. Va à l'hôpital, s'il te plaît, je me suis un peu fait mal à la tête. Vas-y. Roya, donc je répète, la flica de ce soir, t'as tout ce qu'il faut déjà de base? On a ce qu'il faut. Voilà, ils mettent les urophares, même pas la sirène. Ils réfléchissent avec son qui. Voilà. Je suis recherché. Okay, oui, je sais. Devant le KFC, je répète. On avance. Attends, on va aller voir. Attends. Parce que franchement. Baisse la tête. Ouais, t'inquiète. Allô. Oui. Ça va, messieurs? Attends, on va descendre. On va aller voir. Ça va pas trop. Ça va, messieurs? Ça se passe bien? Ça va pas trop. Ah ouais. Ah oui. Vous inquiétez pas, ils arrivent. Oh là 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 là. Vous inquiétez pas, tout le monde arrive. Ça va super. Alhamdoulilah, nous on avait un menu double airbag. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah pour vous. Ouais. Non, mais. Qu'est-ce que vous faisiez ici? En plus, pourquoi vous avez pas mis les sirènes? Vous mettez les sirènes, on était dépêché. Ah ouais, là, on était pressé, pardon. Là, c'est un menu express pour l'enfer, là. Tu vois les rétablir. Ça pique. Ah, ça pue quoi, t'es un chef? Messieurs, bon courage, hein, les renforts arrivent, vous inquiétez pas. Ouais. Au revoir. Ouais. Bon courage. Il tape le véhicule, après, ils nous disent bon courage. Bah, c'est vous qui rouliez vite en vérité. Nous, ça va, on roulait normal. Hein. Non, ça va, y'a pas de soucis. Voilà. Putain, je glisse. Bon courage. Bon courage. Au revoir. À la flicca. Au revoir. Je te déteste. À la flicca. Vas-y, dis mon prénom, la famille aussi. Mon numéro de téléphone, bien sûr. Roya, écoute. Ouais. Pour la flicca de ce soir, il faut qu'on se réunisse. Moi, toi et Hamid, et peut-être un quatrième. À l'unicorne. Non, en prince, il est pas là. Ah bon? Ah, ok. Ouais. Mais moi, là, j'ai un Beretta, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. Il faut prendre Hamid. Parce que, il est au PDP. Roya, j'ai encore. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est fait attraper? Non, on venait chercher. On a cru que tu étais attrapé. Vous croyez vraiment que je vais me faire attraper par la police? Mais je me suis dit, c'est bizarre quand même. Lui, ça va pas ou quoi? Vous êtes des malades, quoi. C'est vrai. Pourquoi vous portez la haine comme ça? C'est grave. Ah non. Toi, ça y est, vendredi soir, t'es en week-end, ça y est, tu te la racontes de ouf. Ça y est, ils amassent le confinement, ça y est, quoi. C'est grave. Confiné, hein. On se capte à l'unicorne, comme ça on discute de tout ce qu'il faut. On discute. Dans les détails. Pourquoi les unicorns?
L'unicorne, incroyable, parce qu'en fait, quand je vois des femmes, ça me, je me concentre, j'arrive bien à me concentrer. Ça me motive. Ça donne l'inspiration. Ouais, c'est une motivation. Allez, vas-y, mote. Ça va quoi, Roya? Ça va et vous? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on est là. Juste aller à l'hôpital. Ah, on m'appelle. Allo, Jean. Fais longtemps, Jean. T'as pas pu la mémoire? Comment t'as fait pour t'enfuir? Vélo, nage. Moi, c'est Tobias. Course à pied, cache-cache dans le buisson. Ah ouais, comment? Roya, à chaque fois, c'est un triathlon. Voilà, triathlon, Roya. Oui. Oui, pardon? Ah, ça, c'est pour les flics, ça. Regarde. Oh là là. Tu vois, c'est ça leur problème. Oh là là. C'est ça leur problème en fait. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. J'espère que vous allez bien. Réellement, vous allez bien. Que ça fait une sacrée coupe hein, pour le. Merci, c'est gentil. Bonsoir, madame. Elle est très belle, hein, moi j'aime bien. Merci, c'est gentil. Elle est sous la barre, quoi. Ouais, c'est fait exprès, c'est le rose. Parce que je suis parti. Je suis parti d'un gang, c'est pour ça. Ah ouais. Ouais, il est très crédible hein, votre gang quand même. Le gang des panthères roses. C'est normal que votre pote se balade avec un. C'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin, il est échappé de l'asile, faut faire semblant que c'est son fils quoi. Sinon, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que je pourrais vous aider s'il vous plaît? Oui. Pour le. Allez-y, bah vous étiez avant moi. Non, mais moi je vous ai dit, je suis pour les caméras. Moi c'est pour des soins, parce que je fais du vélo, je suis tombé sur la tête. Ouais, non. D'accord, venez. Ah, là, lui il veut des soins parce qu'il est tombé dans la vélo. Mon gros crâne. D'accord, là. Monsieur. Ah, excusez-moi. C'est bon, c'est bon, c'est fini. Bon, allez, prends-le en charge alors. Prends le monsieur avec les cheveux roses. Bonjour. Voilà. Bonjour. Je peux vous aider. Bien sûr. Il est tombé. Attendez, je peux juste. Tombé d'où? Monsieur? Dites-moi. Il est noir. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais il est compétent, Zaman. Oui, ça va. Voilà, je suis tombé sur la tête, Roya, je fais du vélo. C'est pour bah ça. Alors venez. Ça je va. Vais rester quand même à regarder de loin. Si j'en vais, parce qu'avec Bob. Hein. N'ayez pas peur. Oh non, je pense... j'ai pas peur, je fais pleinement confiance. Allez, venez, allongez-vous. Ah ouais, ah, carrément. On va checker tout ça. Quand je dis confiance, enfin. On va checker tout ça, monsieur, vous inquiétez pas. Ok. Moi, Roya, j'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête. Okay. Ah ouais, il y a une big boss là. Ouais. Ah ouais. Ça pique. Tu lui fais déjà un petit test visuel au cas où s'il est. Ouais, je prends la lampe. Petit pupille. Ouais, allez, monsieur, suivez la lampe. Voilà, vous êtes bien noir, effectivement. Merci de me le rappeler, c'est sympa. Non, mais c'est un test visuel, c'est pour ça. Bon, il voit bien. C'est bien, attention, c'est froid. Oh, franchement, moi, le froid, ça me fait rien. Allez. C'est plus que froid, Roya, ouais, c'est un glaçon, là, c'est un iceberg. Ah, mais elle était au frigo, je suis désolé. Ah ouais. Voilà, la big boss. La big boss. The big boss. Votre frère, votre soeur, comme vous voulez. Hmm. Voilà. Quoi? La boss. Je vous ai dit. Ouais, mais il faut pas parler des familles des gens, collègues. Non, mais c'est. Je vais te virer sinon. Non, mais c'est cool. Je vais te virer sinon, Yoni. Blague en mode, ouais, ça va tenir ton frère de le corps et tout. Ouais, mais elle était éclatée, ta blague. Ah c'est putain, tu l'as reçu. Ouais. Du coup, monsieur, d'autres douleurs particulières? Attendez, je remets un petit peu de pommade. La vérité, j'ai mal au cœur. J'ai trop mal au cœur, regarde. Vous voulez que je vous soigne? Bah, ramène-moi une meuf, si tu veux. Deux meufs, même. J'en ai marre de souffrir. Et pas ça, moi. Vive. Ah bon? Moi, j'en ai pas, donc. Ah, vous avez pas de meuf? Bah non. Vous avez pas de meuf, Harlem? Marguerite, wow. Non, je l'ai vu, Marguerite. Oh, Starfonda. Wow, rien que le nom, Roya. C'est un moyen de contraception, Roya, le nom. Ah, ça va, elle est gentille, elle est. Normalement, gentille. Quand tu dis Marguerite, normalement, c'est fini, t'as plus de gosse pendant 10 ans. Normalement. Si tout fonctionne bien. Mais elle est gentille. Moi, elle est gentille, c'est ça son problème. En fait, toutes les meufs gentilles, généralement, elles sont chum. Vous avez remarqué ou pas? Et toutes celles qui sont belles, c'est des vipères. Sinon, il y a Luna. Ça. Luna, elle est un peu. Non, mais Luna, elle aime les femmes. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Elle aime les femmes. Sinon, il y a Anna. Anna, c'est une toute nouvelle. Ah ouais, t'as son numéro? Ouais. Non. Je vais l'appeler. Ah. Anna, t'es où? Anna. Je suis un client fidèle, c'est pour ça. Anna, une fois. Ah, au bout de trois fois, tu l'as vu, normalement. Anna deux fois. Anna deux fois. Troisième sommation, c'est la balle dans la tête. Anna trois fois. T'es viré. C'est bon. Ah, tu j'ai vendu. Salam alaikum, viré. Tu j'ai vendu, c'est bon. Ça va vite, hein. Vas-y, Roya. Mets-moi la facture, si tu veux, Roya. Ouais, c'est pas grave. Vous avez un ange à facture, monsieur? Oui, NS. C'est comme Anna, mais il y a un S, quoi. Je suis présent. C'est parfait. Salam alaikum, guys. Du coup, ça a été ou ça a pas été? Anas? Oui. C'est la merde.
Pourquoi? Il y a un gang de chapeaux, costard, cravate, ils sont venus vers moi. Ils ont dit, nous, on est la famille, bonne maman, un truc comme ça. Bon Ellie. Et ils m'ont ziflé, voilà. Ils sont où? Ah ben ils sont partis, ils m'ont ziflé, ils sont partis, voilà. Mais tout va bien sinon, tout va bien. Non mais y'a rien. T'es passé de dégâts. La gang des roses, gang des roses. On se fait siffler par tout le monde, ouais. Allez, venez, viens. T'es passé de dégâts, ouais. Y'a rien, y'a rien. Ouais, je l'ai soigné, c'est bon, c'est carré. Il peut repartir. Il peut repartir faire ses... Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, on y va. De rien, de rien. Y'a rien qui va. Peut-être qu'il soit agressé par un pigeon ou bien quelque chose. Bah oui, bah oui. Wow. Des oreilles. Oh là, je vais me faire écraser par... Un jour c'est Audi. Ouais, c'est Audi. Ah ouais, c'est eux. T'es mal tous les volets. Dis viens, meuf. On y va. Eh meuf. Eh meuf. C'est bon. Ouais, c'est pas le seul. Question. C'est vrai, c'est dégueulasse. Eh meuf. Ça me fait. Quoi? Eh meuf. Pourquoi? Anas, pourquoi tu me. Pardon, pardon, meuf. Au revoir, monsieur. Viens, faut qu'on aille. Il a. Ouais, ouais. Et on impose le plan, flic. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est le vrai. Fort, alors. Attends, du coup, ils t'ont giflé, ils sont partis. Ah oui, ils sont arrivés en mode armé, comme en 46, blarque. Mais ils t'ont giflé où? Enfin, ils m'ont giflé dans l'hôpital. Dans l'hôpital? Ah oui, ils sont arrivés, comme ça. Oh, blarque. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait là, Hamid? Il avait qui là-bas? Hamid, arrête de draguer, viens. Capicef, c'est Capicef. C'est qui celui-là? C'est lui qui m'a mis en prison deux jours. Oh non, sérieux? Viens, salpide, viens là. Comment allez-vous, monsieur capitaine? Ouais. Comment allez-vous, monsieur capitaine? De quoi? Salut, capitaine. Merci. Comment allez-vous? Mais c'est maintenant, c'est pas lui le capitaine, je le connais, ouais, c'est pas lui. C'est lui, c'est Capicef. C'est quoi, ça, Capicef? Au sud de capitaine. Ah, Zama, c'est le chef du kebab, chef du commissariat. Et en chair. Voilà. Mais Starfall, c'est quoi ce tatouage? Ah, écoutez, les aléas du métier, on va dire qu'on va forcer à me faire tatouer. Qu'est-ce que je dis? On m'a rasé le crâne, on m'a tatoué. Et on m'a tatoué. Moi, juste un truc à dire, hein. Ok. Ouais. 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 Ouais, bah, vous savez quoi, arrêtez, je suis obligé de garder la casquette, sinon j'ai toujours. Attends, vous l'enlevez quand? Bah, écoutez, j'ai pris rendez-vous normalement, semaine pro, opération laser. C'est qui vous a fait ça entre nous? C'est Marabunta. Ah, les bâtards, en plus, Alvaro, c'est un gros fils de pute. C'est un fils de pute. Mais c'est qui? C'est un mec qui se prend Zama pour le chef des Maras et tout. Il est mort. En plus, il est mort. Sachez que c'est nous qui l'avons dit. Aucune classe, hein. Après, j'ai envie de dire que j'ai rien à voir. Bah quoi? Bah quoi? Il est moche. Oh bon, un petit Raven, je pense avoir. On n'a pas dit qu'il n'avait pas de style, hein. On a dit qu'il était moche. Nous, on n'a pas de style, mais on est beau. C'est pas pareil. Exactement. Ah si, si. Peut-être une différence, mais au niveau du visage, c'est pas trop ça. Comment ça, au niveau du visage? On en parle de votre tatouage de Kalash là sur votre front. Est-ce que vous êtes demandé? Qu'est-ce que j'ai jamais demandé. Sauf que ça, c'est trop grave quand même, hein. C'est grave, là, c'est grave. Et faites quoi ici à l'hôpital? Clip de rap qui a très mal tourné, fusillade. Clip de rap? Ouais. West Coast! C'était où ça? C'était au nord de la ville, tout à l'heure. Oh, alors, j'étais sur le clip, hein. Ah, bah ça va alors, nickel. Vous avez tiré avec vos trompes, hein? Non, parce qu'ils ont attendu que je parte pour commencer à tirer. Ah, ok. Bah, ça marche. Bon, bah, écoutez, nous, on va faire une flicca, là, on s'organise. Exactement, ça vous dit ou pas? C'est pas tout. Faut qu'on bah, écoutez, donnez-moi vos cartes d'identité, comme ça, moi, je fais déjà la moitié. Très bien, moi, c'est Anas. Ah, c'est Tobias. C'est Tobias Well, ami de Raven, et vous êtes? Moi, c'est Anas. J'ai vu. Anas, comment? Anas Rose. Anas Rose. Bah oui, c'est toujours rose. Mmh. Eh ouais. Vous avez pris de la mettre? Vous avez pris de la drogue? Ah non, je vais pas vous la mettre, pas du tout. Non. Bah, demandez-moi votre identité alors. Bah, je l'ai pas sur moi. Oh là, Tobias, sur moi. Wow! Le bouchon! Bon, les gars, venez. Faites en sorte de l'avoir sur vous tout à l'heure. Ouais, ça marche. Venez, on va se préparer, les gars. Venez. Ouais, ça se ouais. Ah merde, c'est l'autre côté. Putain, bah. Monsieur Raven? Je sais pas que vous avez encore des huissiers sur le dos, hein. Si vraiment vous faites un délit et que vous faites attraper, je pourrais rien faire pour vous, hein. On rigole, merci. En tout cas, si vous faites du flic, gardez les mêmes tenues, ça me facilitera les choses. Mais non, on rigole, on plaisante. Parce que pas masqué, rien à foutre. Bon, alors, ça va. La facilité avant tout. Le mec, c'est cul quand même. Tobias, c'était un de ses styles, c'est incroyable. Merci beaucoup. On appelle ça la sapologie de haut thème. Ça, vraiment, non, ce que tu portes? La sapologie. Ah ouais. On appelle cette tenue la truite mal brûlée. Voilà. Ah ouais? Oui. Mal brûlée. Voilà. Mal brûlée, oui. Vas-y, je vous attends. Malboro, je sais plus.
Malboro. On se met en tenue de combat? Ouais, vas-y, tenue de combat, vas-y. Tenue de combat. Claquette saucette pour l'ergonomie des pieds. C'est bon, moi je suis prêt. Donc là, tenue de combat, toi. C'est une tenue agressive, une tenue où t'as peur. Ouais. Bah là je suis ultra agressif, là. Et comme ça, tac, regarde, j'ai pas fini, hein. Regarde, hop. Ah oui. Là, on est bon, là. Tu vois? Là, on est bon. Là, on a clairement travaillé le truc, tu vois ce que je veux dire? On est à flot. Regarde mon masque, attends. Regarde bien. Attends, non, c'est pas celui-là. Regarde bien. Bon. On appelle ça un zeval. Un zeval, voilà. Enlève le chapeau. Enlève le chapeau. Attends, pas le masque, juste le chapeau. 1, 2. Attends. 1, 2. Opération Zéval. Allez, go. Allons-en. Je suis mort. Allez, opération Zéval, monte. Ah, ouais, c'est terrible quand même ce masque. Hein. Elle est bien. En fait, il y a la version compressée et non compressée. L'ergonomique. T'as la version low cost. La version vocale. Là on a tout ce qu'il faut, c'est bon. J'ai des cartes. La perceuse. Ah non, passe juste au parking, vite fait. Là, en gros, c'est Yonah, là. Pas loin. Ok. Par contre, qui sait ouvrir le... Moi, t'inquiète, j'ai fait. Ok. Perceuse, je sais faire, mais cartes, je sais pas. Attends, t'en as pris combien des cartes? Deux, parfait, nickel. Attends, j'arrive vite fait. Attends. Tiens, on a peut-être un otage. Madame Degas, vite fait. Merci beaucoup. Madame Degas. Ah oui, c'est la journaliste. Ah, you crazy. Attends. Yeah, yeah, you're so crazy, man. Good and you. Bon, on va essayer de trouver un otage. Ah bah, tu vois là. Madame Dessin. Attends, mais non, mais on n'a pas discuté du plan encore. Ah oui. Mais c'est pas grave, vas-y, ramène-la, c'est pas grave. Viens, donne-moi ton téléphone et tout, on va discuter du plan, venez. Viens, on va discuter du plan ensemble. Okay. Voilà. On a déjà un otage. Ok, on a déjà un otage. Alors, les gars, moi je voulais discuter ça à tête reposée, mais vas-y, vous précipitez toujours les choses. Là, on va aller se poser à l'unicorne, on va discuter tous ensemble, d'accord? Alors, je vous rappelle les mots-clés du braquage. Mouette, flaque d'eau, pyramide, bateau et vertige. On va faire un saut en parachute. Les mots-clés. Voilà, j'aime bien, mais pas que. Un saut en parachute. Oui, on va aller dans la nage. Donc, mais flaque d'eau, okay. C'est de l'eau, ça veut dire qu'on va devoir nager. Voilà. On va monter en haut et faire un saut en parachute, l'oiseau. Voilà. Non, t'as inversé. Ah, merde. Viens, on va en discuter à l'unicorne, t'inquiète. Parce que il est pas encore infaillible là. Non, le plan là, en fait, t'as le puzzle, mais tu l'as mal assemblé. Voilà. Ça va l'otage? Tu t'appelles comment en fait? Moi, c'est Manon. Ah, salut Manon, ça va? Danon, mais c'est bien. Tu fais quoi dans la vie, Manon? Journaliste. Ah, bien. Allez, journaliste, viens, on va discuter ensemble, madame Manon. J'ai pété ma bière. Vas-y, Manon, installe-toi, t'inquiète. Ouais. Bon, le plan est simple, on a dit mouette. Mouette, flaque d'eau, pyramide, vertige, pyramide. Bateau. Nous allons diriger à l'Africa avec deux otages, bon ça pour l'instant rien d'exceptionnel, pour ensuite récupérer l'argent, d'accord, relâcher les otages. Mais au préalable, je pense qu'il est mieux d'abord de s'équiper de parachute. C'est pour ça qu'il fallait prendre les otages à la fin. Parachute. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, on va sortir de l'Africa, on va se diriger vers la plus haute grue de Los Santos, pour ensuite se jeter en parachute pour atterrir au niveau de la marina. Arrivé à la marina, il y aura un complice qui nous attendra sur un bateau. D'ailleurs, le bateau... C'est qui, lui ? Je sais pas, il faudra trouver un complice, il faudra surtout trouver un bateau. Parce que le bateau... Okay. Bah, le bateau, bah oui, tu vois, tu précipites trop les choses. Tu vois, c'est le problème. Ensuite, il y aura un complice qui nous attendra depuis le départ sur le bateau. Et on va arriver, boum, on monte sur le bateau, et là... C'est là, quoi. Mais normalement, ça passe. Ça passe, non, comme quoi ? C'est bien comme plan. C'est pas ça, là, c'est tout. Manon, t'en penses quoi ? Il est bien. Mais... J'en sais rien. T'en sais rien, ok. Pas criminel. Y'a aucune faille. C'est un plan sans accro, je pense, hein, à mon avis. Hein. Okay. Donc là, ce qu'on va faire, bah, on va aller récupérer les parachutes déjà. On va d'abord s'équiper. Hein, parce que sinon. Les parachutes ? Ouais, parce que c'est pour ça que je dis pyramide. Ça, c'était un jeu d'eau. Pyramide, parachute, tout ça. En fait, c'est parachute, pyramide et Hamid en même temps. C'est un mélange. Pyramide. Eh ouais. Allez, on y va, c'est parti. Eh les gars, vous avez vu là où je suis, en fait, faudra venir ici. Faudra garer la voiture là. Et ensuite, enjamber le truc et après. Ok. Qui sera le pilote? C'est moi. T'es sûr? Oui, t'inquiète, mais ça te fait. Faites belle. Ne tuez pas. Oh, Seigneur.
J'ai failli décéder. Oh non, après tout ce qu'on a fait. Putain, le pire c'est qu'il faut redescendre. Bon, quand on arrive là-haut, le but c'est de pas tuer ce collègue, hein. Oh, c'est par là. Hamid, quand tu descends, prends le tas. Vas-y, attends, je monte. Oh, hey oh c'est... Doucement, 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 regarde sous la seigneur. Bedek, bedek, bedek. Attends, je monte. Oh là, j'ai peur là. Et les gars, vous avez capté en fait, la marina c'est sur la droite, d'accord, quand vous sautez. Ça marche. Et sautez pas au-dessus du bâtiment, il faut sauter à gauche du bâtiment et ensuite le contourner en parachute. Ok. Oh, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Il a sauté Hamid en parachute. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a pas fait exprès, c'est l'otage qui a bloqué les selles. Ah merde. Oh non, Hamid, je crois qu'il est mort en fait. Mais non. Bah si, il y a des ambulances en bas des trucs. Madame? Ouais. Vous avez reçu un appel ici? Ouais. Ah merde. Putain, je crois mon collègue en fait on faisait une pièce de théâtre et je crois il a glissé ce con. On voulait faire le remix de Titanic tout en haut de la grue. Il est où du coup? Il a besoin d'aide ou pas? Bah ouais, je crois qu'il a besoin d'aide. Hamid, tu m'entends? Non, ouais, je crois qu'il a besoin d'aide, mais je sais pas. Je crois qu'il a fait une petite chute, hein. Regarde, on a même pas encore commencé, on a déjà un mort. Ici, là, tu vois, tu gareras le véhicule ici, là, contre la barrière ici. Mais pas collé, comme ça, on puisse tous sortir, tu vois. Et genre après, comme ça, on enjambe. Ouais, t'inquiète, ouais. Et on y va, quoi. Oh, Hamid! Ah, t'as l'hôpital. Ah, ouais, on va pas chercher Hamid? Bah, vas-y, me dépose à la marina, je jette le bateau et on attend, ouais. Tu vois, Hamid. En fait, NS, je pense que t'es folle. Pourquoi? Comment ça, tu es folle? Parce que. Un jour, ouais, les mecs, on fait une flic à un vélo. Ouais. Et lendemain, grosse flic à plein des fils des flics, parasites, bateaux. Bah ouais, bah oui, c'est pour faire des vues, croyant. Bah oui. Vas-y. Allez, j'arrive. Là aussi encore. Vas-y. C'est bon, j'ai le bateau. Ok, nous on a l'otage. Bah attends, je vais prévenir Jean, hein. Je vais placer le bateau, je vais lui dire de venir là où je suis. Jean, c'est pas trop ça, hein, le bateau, hein. Je pense pas que. T'as dit qu'elle est non? Ouais, mais là elle est occupée, là, je sais pas quoi, elle est à l'hôpital et tout. Bah oui, après c'est une avocate, c'est normal, mesquina. Vous Jean. Connaissez pas quelqu'un d'autre? Attends, je vais demander à Bob. Ouais, Bob, ça va ou quoi, mon pote? Bah écoute, ça va et toi? Ça te dirait de conduire un bateau pour moi? Oh, mais carrément, tu sais que j'adore conduire les bateaux. Ah, bah super, bah tu peux me rejoindre à la marina, s'il te plaît? Bah d'accord, écoute, j'arrive dans... Bon, compte 5 minutes, je suis en vélo, vas-y. D'accord. Ok, vas-y, à tout de suite. Allez, c'est parti. C'est bon, les gars, j'ai trouvé, y'a Bob. Oui. Pose pas de questions. Pour nous tous, comment ça? Bah non, on sera que 4. Ah merde, il y en a un trop de la voiture. Ouais. Mais comment ça? T'as pris combien d'otages? 3. 3. Trois. T'es con quoi? Plus d'otages, plus d'argent. Non, pas besoin, 2 otages, ça suffit. Non, pas besoin. C'est qui le dernier qui a été pris? C'est lui, là, le coffre. Bah vas-y, Royak. Tu peux y aller, Roya, bonne journée à toi, désolé. Ok, très bien, bah, bonne soirée. Bah, tchuss, les gars. Très bonne soirée à vous, monsieur. Très bonne soirée à vous. Bah, plus, hein. On vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bah, au pire, dirigez-vous déjà vers l'Africa, Tobias, tu sais, au parking de l'hôtel là. Ouais, vas-y, je vois. Tu te caches là-bas, vas-y. Vas-y. Fongi, moi, c'est Fongi. C'est Pierre Hamid. Wesh, Bob, ça va ou quoi? Ouais, tranquille, et toi là? Tu vas bien? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous comme ça? Check, mon pote. Check. Eh, par contre, tu veux me... Ça y est, ça vous a pas suffi une paire de pneus? Vous m'avez écouté hier. Non, tu veux pas me braquer quand même? Non, mais t'es fou quoi. Au contraire, j'ai besoin de toi pour braquer. Oui, attends, ça dépend parce que moi je braque personne, je te préviens. Moi j'ai. Non, t'inquiète. Justement, toi tu vas juste conduire le bateau ici là. Le bateau là, tu vois. Tu restes dans le bateau, ok? Là en fait, on va braquer du coup une flica. On te donnera une part et dès que c'est bon, bah on arrive, on se dirige vers la marina. On arrivera en parachute, ok? Le plan est... Le plan... Écoute, faut pas poser de questions, mais le plan il est super bien ficelé, d'accord? On sort de l'Africa, on monte sur la grue. Oui. De la grue, on saute en parachute, on arrive directement sur la marina. On court vers le bateau, on monte sur le bateau, tu démarres. Hasta luego, hasta la vista. C'est bon pour toi? Quoi, on va où? On se casse, loin d'ici, je sais pas. Mais dans les igbous, tout ça, tu connais. Eh, t'inquiète, ça marche pour toi? Bah écoute, okay. Je t'attends ici, je suis sur le bateau et puis vas-y, voilà. Vas-y, ça marche. Vas-y, t'appelles plein du bateau, t'as pensé ou pas? Ouais, t'inquiète, je viens de l'acheter donc normalement il y a pas du tout. D'accord, ça marche. Bah écoute, vous pensez que ça va vous durer combien de temps? Pas longtemps, là ils sont, tout est prêt, les otages sont prêts, on a juste à les braquer, c'est bon. D'accord, ouais. C'est ça que j'ai vu dans le centre là? Non, c'était place des cubes. Y'a moyen que tu me prêtes ton vélo pour aller à l'Africa? Ouais, vas-y. Je le jette après, t'inquiète. Quoi? Non mais sinon ils veulent l'identifier, ils vont dire... Ah, viens, 54.00, la radio. 54.00, ouais. Attends, ça va. Vas-y, t'assures. Vas-y Bob, on s'y est au courant. Ouais, elle fonctionne cette putain de radio ou pas? Ouais, c'est bon, on t'entend. D'accord, super, bonjour à tous. Salut Bob, ouais. Le meilleur pilote de bateau. Ouais, le seul que t'as trouvé, c'est tout. Non, il y avait Jean et tout, mais vas-y. Je préfère travailler avec des potes. Vu que t'as fait une soirée chez moi, je te fais confiance. D'accord, ça marche. On arrive, vas-y, go. C'est parti, on lance l'opération.
Allez, Hamid, viens avec l'otage. Allez, je suis dedans. Allez, c'est bon. Vas-y, venez. Donne les quartz, c'est parti. Bien. Allez. Allez, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous connaissez votre place habituelle, okay, voilà, au calme. Ah, mettez-vous okay. sur les coussins ici, hein, si vous voulez. Hein. Let's go, les caméras. Hop, attention. Ah ouais, d'accord. Ok, ouais, mais déjà, va ouvrir le coffre, déjà, avant de tirer. Let's go. Vous avez faim, vous avez soif? Ouais, j'ai un petit peu soif. Moi, ça va. Ouais, moi aussi, de ouf. Il est en opération, là. Il est en train de pirater les systèmes informatiques, je répète. Ok, Bob, on a lancé l'opération, ok? Ouais, 10-4, hein. En fait, je pense que je suis trop fort pour ce truc. Ah ouais, t'es fort. Le coffre est pas celui-là. Viens, on y va maintenant. H, viens, H, s'il te plaît. 4, oui, je suis là. Ouais, surveille, il fait des otages, ouais, j'arrive. Pas de problème. Je vais les pisser en fait, flic. Voilà, j'ai envie de pisser. C'est bon? Y'a les flics, Ok, je vais aller négocier. Let's go. Go. Ouais, une légère chute. Oh, ça. Ok, Drary, il y a deux voitures de police. Ok, bien réussi, de la part de Zeval. 4 voitures. Seulement ? Ils connaissent pas, ouais, la technique des pyramides. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va, vous allez bien ? Bien, et vous ? Ouais, tranquille, on est là, hein. Posé, c'est pourquoi ? Bah écoutez, je pense que là, vous êtes actuellement en train de braquer une banque, monsieur, donc je viens écouter vos revendications. Ah si oui, vous aviez des choses à demander sur les otages. Mes revendications, plus de carottes à midi. Franchement, c'est bien les protéines. Mais il faut quand même des féculents, il faut quand même des fibres, d'accord ? Comment ça, surtout... plus de carottes à midi, monsieur ? Oui, plus de carottes à midi. Enfin, vous mangez des carottes, mais... non ? Oui, tout à fait, mais... Enfin, où ça, des carottes, vous en voulez ? Bah, dans mon assiette, où ça ? Bah, tu veux que je mange comment ? Mais c'est à vous de les acheter, les carottes, monsieur. Enfin, c'est pas nous qui... Ouais, mais bon, je suis en train de braquer une banque, donc... vas-y, bref, on a 2 otages, ok ? D'accord. Voilà. Vous souhaitez pas d'argent pour les otages ? Pas de à boire, à manger, des soins, éventuellement ? Ouais, si, on a une femme enceinte. Elle aimerait boire. Et let's go. D'accord. Elle a ses règles, du coup, si vous pouvez lui mettre des tampons, des tampax, je sais pas ce qu'elle préfère en vérité. Mais bon, on va dire à boire et à manger. D'accord. Des lingettes hygiéniques pour madame. D'accord. Et pour 1000$, c'est bon, 1000$. Attention. Pour les deux otages. Attention. Hop là. D'accord, bah écoutez, ouais. Je vais voir avec mes collègues ce que je peux ramener et j'arrive vers vous d'ici 5 minutes. Ok, ça marche. Merci. Nickel. Ouais, 5 voitures de police. 5 voitures de police, ouais, c'est du jamais vu ça. Seulement ? Ouais. Prends ma tête de Zeval en photo pour la miniature. Regarde, on est en train de faire un braquage, tu me parles de miniature. T'es pas youtubeur toi ? C'est bon, c'est fait. Allez, vas-y, c'est bon. Rentre. Dégage. Go. Ah putain, il y a le capitaine et tout. Il va se faire percuter. Ça va être chaud la grue en vrai, Tobias. Ouais. Faudra vraiment arriver en avance pour monter à la grue. Hein. Ouais, je vais tryhard. Tu quoi ? Hein ? Tu vas tryhard ? Ah ouais, ok. Bob, tu m'entends ? Oui, disgate. Écoute, tout se passe bien là, on a négocié un petit peu avec la police. Et dès qu'on bouge de l'Africa, on te donne le top départ, d'accord ? D'accord. C'est à partir du moment où. J'ai bientôt fumé le pet d'ailleurs. Ouais, t'inquiète, t'as encore un peu de temps. Ouais. Il y a le capitaine, c'est le capitaine là-bas, tu le vois là ? Oh, c'est mieux. Ouais, je l'ai vu. Lui, il est déterré, lui. Hein. Il est déterré. Il est pas mal et tout. Écoutez, je vais vous déposer du coup par terre. Ah, vous voulez que je vous donne un main propre peut-être ? Donnez-le à mon ami tête de cheval là, c'est directeur. Ouais. De Zeval, Zeval. Tenez, monsieur, donc voilà pour les serviettes hygiéniques. Ouais, c'est pour la femme. C'est pour la femme, ouais. Pourquoi t'as la boisson ? Oui, merci. Non, mais donne directement aux otages. Ah, si tu m'en racontes. Il est con, lui. Ah, désolé, il est débutant, c'est pour ça. Tu veux une serviette ? Je comprends bien. Du coup, vous avez l'argent aussi ou pas ? L'argent, bah, j'ai donné l'argent à votre collègue. Ah, vous avez donné ? Ok. Oh, ouais, j'ai tout donné. Ouais, il y a 5 voitures et je pense à un hélicoptère. Okay, merci beaucoup. Ils sont un peu trop nombreux, hein, quand même. Ouais. C'est en fait attention. Du coup. Du coup. Il t'a donné l'argent, le flic ? Oui, c'est bon, 1000. Ouais, bah donne 500 et 500 aux otages. Ah c'est bon sympa ça. Okay. Ouais. C'est plus que ce que j'ai gagné dans toute ma vie quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, messieurs, rendez-vous. Bon courage hein. Et merci encore. Bah, merci, à bientôt. Hein. Ok, let's go. Bah, c'est parti pour les books hein. On va pas se mais non. C'est bien, c'était pas obligé d'aller directement à la grue s'ils sont trop derrière nous, ouais. Tu vois. Ouais. Essaye de gagner un peu de temps. Bon, la voiture, elle a pris des coups. Il y a que 2 voitures. Ouais, ça va. Il y en a 3. Essaye d'avoir juste une seule voiture derrière nous quand on arrive. Prends juste des petites rues hein. Évite les souterrains, tout ça. Ouais. Mais rapproche le centre-ville aussi, parce que là... Vas-y. Si on n'arrive vraiment pas au truc, on va directement à la marina. Mais c'est vraiment si, le dernier. On va le faire, hein. Oui, mais vraiment, si ça dure pendant 20 minutes, tu vois, genre... Et au pire, de toute façon, même en bateau, ils vont sortir un truc, hein, je pense, donc...
Tôt ou tard, il va servir, hein, je pense. Hein. Ok, il n'y a plus qu'un seul véhicule. Ok, c'est une dégénérée. Il y en a 3, il y en a 3, il y en a 3. Il y en a 3. T'as de l'essence ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai fait les pleins. Okay. Toi, t'as pensé à tout aujourd'hui, hein? T'arrives pas? J'ai pensé à tout. Je sais pas si. J'ai de meuf. Ah ouais? Non, ah bah, bro, incroyable, ça fait longtemps. Mais non, mais je rigole. J'ai 42 ans. Ça fait longtemps. Ah, on a un hélicoptère aussi sur nous. Ah ouais, c'est la totale quoi. Bon, évite les trucs comme ça, c'est. Allo, j'entends des sirènes et je vois les écoutes. C'est vu, et revu, regarde. Ouais, mais bon, mais ça marche bien. Ouais, mais il faut revoir la copie, il faut revoir la copie. Faut la mise à jour, les DLC et tout. C'est pas mauvais, mais tu peux faire mieux. Il a maîtrisé quand même, hein. Ouais, il a maîtrisé. Vas-y, un véhicule, normalement c'est bon. Là, on peut y aller. Deux, j'en ai vu deux. Vas-y, on y va, on avait une fuite un peu. Vas-y, on y va. Ouais, deux, trois, ils sont tous par là. Vas-y, en vrai, on y va. Oui, on y va. J'ai enlevé ma ceinture, moi. Vas-y, go. Évite de te coller au béton, d'accord? J'ai l'air. Ah, ça va être juste, hein. Juste derrière. Go. Vous avez pas réussi? Bah non, je pouvais pas. Ah bon? Ah oh, merde. Oh non. C'est pas grave. J'ai un véhicule. Léo, quittez pas s'il vous plaît. Il va s'arrêter. Allez, au sol. Si vous voulez, je vous retrouve sur la plage, les gars. Bah Hamid, t'es où? Je bouge, hein. Là, j'ai bougé. Ok, dirigez-vous à la marina. Moi, je vais aller voir Léo. Par ici. Moi, je suis au concess auto là. Montre, je suis là. C'est pas moi, je suis là devant. Ok, moi je vais à la marina. Vas-y, go, bien joué. Go à la marina du coup. Là, faut qu'on aille à la marina. Ouais. Bon, on se dirige à la marina là. Non, vas-y. Attends, je te mets le point. En fait, c'est trop chaud de monter à la grue quand vous êtes trois. Genre, il y a toujours un qui va essayer de passer devant l'autre. Là, on est en voiture, on se dirige vers la marina, ouais. Y a pas moyen de vous tourner un peu le temps que je monte tout là-haut? Ouais, on attend, t'inquiète. Vas-y. On a juste un véhicule sur nous là. Ok, carré. Vas-y, moi je peux le semer, en réalité. Ouais, tu peux le semer en vérité. On attend juste que Tobias il soit en place, comme ça on. En fait, le truc c'est. Y'a des flics à la marina, je dirais. Y'a des flics à la marina? Ah bon? Oui. Ah ouais, Bob, tu sais que tu vas faire, prends le bateau et va au niveau de la fête foraine. Ah parfait. Je vais venir aller en parachute. C'est bon pour toi? Genre en fait tu vois on va sauter de la fête foraine sur le ponton, tu vois. Donc il faudra... Faut que tu sois un peu en avant, pas en dessous, tu vois. Il y a un hélico en haut de la grue. Ils prennent les bateaux, ok. Bah go fête foraine. Et moi j'ai un hélico en haut de la grue. Ok, c'est pas grave, Tobias, toi tu sautes. Saute et essaye de te diriger vers la fête foraine et tu lui dis où est-ce que tu as atterri, ok? Mais je pense qu'il y aura des flics qui vont descendre de l'hélico, hein. Non, les flics ils restent dans l'hélico, ils descendent pas, regarde. Ah ouais? Non, c'est ouais. L'hélico il va donner des infos. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Ouais, fête foraine, doucement. Si, ils descendent, tu vois descendre. Ah ouais, ils descendent d'hélicoptère? Ouah, subhanallah. Pourquoi c'est moi? Fuck ta baguette. Vas-y, je vais sauter, c'est pas grave. T'as sauté, Tobias? Ok, ouais, je vais au ponton. Oh mais il y a des bruits, je vois rien. Que les gauches droites ici. Prends les à droite, à direct. Là t'es bloqué là. Hey, il me perdu. T'aurais dû aller à l'autre côté. Oh merde. Tobias, tu atterris vers où? Je suis dans le désert, je vais atterrir à la fête foraine. À la fête foraine, ok, y'a Bob. Normalement y'a Bob. Oui, nous bon, on essaie. Bon, vas-y, go fête foraine. Hamid, fête foraine. Alors, tu vas tout au fond du ponton et moi je suis dans l'eau. Les gars, nous on va aller au ponton, on va jusqu'au ponton et on va sauter, d'accord? Et normalement, bah, y'aura le bateau et on aura juste à sortir du véhicule et monter dans. Mais combien de temps, toi? Parce que là on aura un timing de fou, hein. 1 km 20. On est là dans, je sais pas, 45 secondes. Ok, carré, bah moi j'arrive d'environ même pas une minute au poteau. Il y a un véhicule, mais il est loin. Ok. Là, Hamid, à gauche là. Ici, là. Parfait. Tobias, là, on y est bientôt là. Tobias, t'es où? Tout droit. Tu plonges. Là, bon, on va plonger là. Attends, moi je plonge d'environ 50 secondes. 50 secondes. Non. Oh non, vous avez sauté. Attends, j'arrive. Il est où le bateau? Je suis vers les jet skis, mais dans les airs en gros là. Ah, il est là. Au-dessus des jet skis. Vite. C'est bon. On est toujours au bout. Ok, je vois le bateau. Je vais atterrir pile poil sur vous. Oui, il est là. Bon, ouais, on te voit. Oui, on te voit. Attends. Coupe.
Coupe le parachute. Attends, je vais tirer sur vous. Oh, c'est trop beau. Non. vas-y, viens. Non. Ok, parfait. Vas-y, assieds-toi. Oh, sa feuille est trop beau. Vas-y maintenant, on est en bateau. Et salut à tous, vous allez bien, tranquille ou quoi? Ouais, ça va et toi? Bah écoutez, tranquille, les gars, tranquille. Toi, t'es pas loin? Non, pas forcément, non. Moi, ça va ou quoi, les copains? J'ai pas voulu prendre un bateau trop rapide, tu vois. Là, Bob, en fait, le but c'est d'aller dans les égouts en vérité. Hein. Ouais, bah dirige-moi. Hein. Vas-y. Bah, demi-tour déjà, faut repartir vers le ponton de la fête foraine. On est armé, dangereux, on va tirer! Première sommation! Deuxième sommation. Deuxième sommation! Et tout écartez-vous! Troisième sommation! Tire en l'air. Vas-y, accélère. Je suis à fond là. Ouais, je sais. Bon. Et bien, je cache dans le haut. Oh, il me tire dessus. J'ai reçu une bonne. Guidez-moi. Ah ouais? Non. Ouais, j'ai reçu une bonne. Bah, je réplique. Elle avait les sourcils. Non, guidez-moi. Bah, j'ai répliqué, non? Là-bas, elle m'a effleuré l'épaule, oula! Ah ouais? Attends, c'est moi, j'ai un trou dans mon jogging, regarde! Ah ouais, je vois ça! Ah bon. Peut-être qu'il a essayé de viser en l'air, peut-être. Viser en l'air sur eux, mal perdu! Ouais, mal perdu, voilà. Elle m'a bien retrouvé! Ah ouais, hein. Ah ouais, elle l'a bien retrouvé! Tu connais quelqu'un qui a un hélicoptère? Mais après, c'est un hélicoptère du LSHD, donc je suis pas sûr! Non, faut que quelqu'un nous dépose un véhicule! On va tirer encore une fois, attention! Attention. Anas, appelle Pils. Qui ça? Pils. Ok. Là. Oh. Ouais, Pils, ça va ou quoi? C'est Anas. Putain, Anas, tu casses les couilles. Ouais, Christian. Écoute, je suis un peu dans la merde, vite fait là. Je suis en bateau. Disque à droite. Non? J'ai trois disques de flics derrière moi. Il y aurait moins que tu me prépares un véhicule. Toujours des actions de merde. Là, je peux pas. Putain, je suis bloqué. Et là, je suis juste. Non, tu vois. Ouais, clairement. Là. Ok. Vas-y, c'est pas grave. Merci. J'ai enfermé, ils m'ont laissé le thème. Mais vas-y, plus tard dans la soirée. Vas-y, bon courage. Vas-y, bisous. Anas, c'est des disques à droite derrière. Mais ça sert à rien, regarde. Mais jet ski, genre, ça sert à rien. Ça va plus vite. Après, écoutez-moi, les gars. Si vous prenez les jet ski, vous vous séparez. Ouais, voilà ça. On va séparer, mais on aura toujours les flics. On va séparer où? Genre, on est en pleine mer. On va séparer où? On va suivre. Prenez les ruelles. J'ai la voiture, 3 jet ski. Pépito, il peut ramener un véhicule. Ouais, vas-y, je m'en fous. Non, il ramène, ouais. Mais où? Où? Alors, attends. Sandy Shore, en vrai. Sandy Shore. Vas-y. Là où on peut pêcher, là, tranquillement. Vas-y. Ah, les marécages, genre, oh là là. Avec la haine envers les marécages. J'avais le capitaine qui était aux fesses en plus. C'est moi, ils vont plus vite que nous. Ouais, capuché. Ah, bah oui, normal. Là, ils font la petite balade. Normal. Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils découvrent. Voilà. On n'est pas un guide touristique, on l'a. Alors, bienvenue dans les marécages de Los Santos. Là où les alligators, les caïmans règnent. Voilà, on va remonter les temps comme des saumons. Allez, c'est parti. Attention, accrochez-vous, Drari. Let's go. Yeah. Oh, ça va passer. Non, normalement, c'est comme le parc Astérix, non? Ah oui, pareil. Ma tête tape. Oui. Ça tape en dessous. Oh là là. What? Oh, c'est nul. C'est bon. Ça me donne des gaz, tout ça. Mais toi, faut que t'ailles consulter, croyant, en vérité. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait été plus marrant dans l'autre sens, quand même. Ouais. Et nous, on fait demi-tour. Bon, peut-être pas quand même. Non. D'accord. Il m'a dit dans 2 minutes c'est bon, maintenant est-ce que c'est bon, c'est plutôt. En fait, le temps de descendre du bateau et tout, il faudra juste qu'il leur. Tu sais, qu'il les braque ou qu'il tire un peu dessus et après on continue en voiture, tu vois. Ouais, ça va être compliqué là par contre. Non, ça passe. Tu sers à droite. Oh, calme. Ouais, ça passe. Oh, calme. Wouh! Ouais, pilote. Ouais, normalement c'est ici, tu vois. Il faudrait qu'il pose une voiture genre ici, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour du lac tranquillement. Ouais, on attend. D'accord. Si vous avez des cannes à pêche, n'hésitez pas. Ouais, il y a une voiture déjà. Il y a une voiture à droite. Oh merde. Une voiture de flic à droite. Ah ouais, oh, ils sont en train de nous entourer là. On dirait on a braqué une banque, wesh. Ouais, ça va quoi. On dirait. Okay. Ouais, on a 5 disques plus une voiture de flic sur nous. C'est un peu compliqué. Donc. Ok, on est là, on arrive. Vas-y. On va tirer sur vous, Rikid. Qui aurait cru que les Aztecas allaient me sauver? C'est bon, elle est derrière. C'est bon? Ok. Tu la vois, Bob? Elle est où? Je sais pas. Par contre, je vous préviens, les gars, ça va secouer. Ah, pourquoi? Mais non, mais on s'en fout. Ça va secouer. Pourquoi ça va secouer? Parce que je vais certainement pas le jeter l'ancre. Hein.
dis-moi. Ah oui. Est-ce qu'il peut juste les braquer vite fait, mais vraiment juste pour mettre un petit coup de pression et après armage. Ouais, attends, il est avec des gars lui ou pas? Okay, non, on est là. Ok. Ah ouais, je les vois, ils sont là. Ils vont monter avec leurs collègues. T'as vu ou pas? Ouais, ils sont montés. Ouais, ils sont montés avec. Oh putain. Oh, c'est l'armée. Oh, c'est l'armée. T'es mal. Ça va, tout le monde? Derrière, là-bas. Celle-là? Vas-y. Vas-y, merci les gars. C'est celle-là. C'est laquelle? C'est la même. Allez, montez. Et tout le monde est là? C'est ici maintenant. Rapide. Attends, y'a pas. Vas-y, Bob. Montez dans votre côté, rapide. Bah, ça dit, mon coin. T'as respecté avec le bateau. Hamid, t'es où? Je suis avec un véhicule. Non mais vous êtes au courant qu'on les a laissés sans véhicule là? Vous êtes où? Oh misère. Mais non mais t'inquiète. Ça va, ça va se finir en bain de sang. Oh. Wesh, tu veux qu'on meure ou quoi? Ah, j'oublie ça glisser ici. Comment ça, ça a glissé? Vas-y, va dans le sud. Ah ouais, je vais dans le sud. Oh, je suis désolé, pour la caisse, là, voilà, Roya, ils sont venus là pour nous aider. Roya, c'était un strike. Tu nous as éclaté, Roya, avec le bateau. J'avais prévu, hein. Eh, merci, c'est plutôt. C'est fait exprès. Mais attends. Tu veux que je relise? Vous allez où? Là, on passe à côté de la casse avion, là. Ouais, par contre, tu sais que les pauvres, les flics les ont braqués aussi, hein. Bah, ça, c'est normal, ça. Mais je veux dire, ils ont pas été embarqués. Non, je crois que ça va finir en course poursuite, hein. Ouais, ou fusillade. Bon, c'est pas grave. Vous êtes libre, vous, ou pas? Oui, c'est bon. Oui, on est libre. Okay. Ah, Pépito, merci, Pépito, si t'es encore là. Ah, je crois qu'il a coupé la radio. Ah, ouais, je pense qu'il a coupé la radio. C'est ça, vas-y, merci, hein. Pépito, voilà, t'es le meilleur. Bon courage, Pépito, hein. Attends, on se revoit, Pépito, pour ta part, hein. C'était un plan de fou, en vrai. Oh, sa mère, je me suis mis dans une merde, t'as pas possible. Il a décidé dans une merde pas possible. Il a décidé une merde. Pour hasard, on a vraiment le problème. C'est plus mon problème, Roya. C'est plus mon problème maintenant. On t'a pas obligé, hein. On n'abandonne pas un soldat. Bah, au même endroit que t'as l'air. Oh merde. Ah ouais, putain. Hamid, il va retourner. Il va retourner en enfer. Allez, hop. La première fois que je fais un truc comme ça, moi, je suis en stress là. Non, ouais, ça va, on a déjà fait un braquage super raid, Bob, ensemble. Bah oui. Ouais, mais moi j'ai pas participé. Moi j'étais juste derrière et je Bah voilà, bah pareil. Là t'as complice quoi, genre t'as conduit, c'est bien. Les meufs elles aiment les thugs. Tu crois qu'elles aiment vraiment? Bah bien sûr. Regarde. Moi, tu crois qu'elles aiment les bons conducteurs ou pas? Hein? Ah, ouais, c'est pas un thug? Ouais, t'as un bon percuteur. Tu l'as dans 1 km. Ah mon pote, c'est... J'arrive, je crois que j'en ai abattu 2 là, j'arrive. Je t'avoue, je m'attendais à ce qu'ils arrêtent plus vite. Ouais, il a dit quoi là? Ah ouais, t'es chaud. Il a dit t'inquiète, c'est bon, j'en ai abattu 2 là. Oh, Pépito, t'es chaud. J'ai dit Pépito, hein. GG à toi, Pépito. Well played, WP. T'imagines là-bas, j'ai fait une assise dans le recherche. Moi, j'ai fait une assise. Vas-y, je suis là, Pépito. Y'a personne là-bas, y'a plus de pouilleuse. Si, y'a des pouilleuses. J'ai même un pouilleuse derrière moi. T'es où? T'as vu, Hamid, il parle comme lui maintenant. J'ai même un pouilleuse derrière moi, il a dit. Je suis derrière. Hamid, tu deviens un steak à Casse. Vas-y, pose dans le coffre. Après, bon, fermez les yeux et écoutez la radio. Théma, c'est la guerre. Attends, j'ai éteint. Attends. Tiens, là-bas, laisse tomber. Et alors, le but c'est de te sauver, non? Vendeur ou pas grandeur? Tu vois le truc où il y a l'or ou pas? L'or pailleur ou pas? Ouais. Et je vais vers là-bas. On peut les aider, miskin, on peut prendre un véhicule et l'aider. Non. Bah, franchement, je pense que vous pouvez aller l'aider. Je prends le reblat rapide. Vas-y, vraiment? Ouais. Eh les gars, si vous avez besoin d'aide, je prends le reblat rapide et je viens vous aider. Je dépose mon arme. Okay. J'entends beaucoup de véhicules, j'entends les sirènes. C'est bon. Eh, tu vois, Pépito, cache-toi, j'arrive avec le reblat, d'accord? J'arrive, on essaie de bombarder. Vas-y, go, parking central. On va les aider? Ouais, parking central, va. Vas-y, go. Ouais, le pauvre, ça se fait pas quand même. Let's go, everyone. Vas-y, go. Oui, c'est stylé. Oulala, c'est quoi? Mets-moi une adresse. Je me fais tirer dessus, je peux pas. Oh merde. Laisse tomber l'endroit là-bas, on va changer d'endroit. Vas-y. Là, nous, on est à 1,80 km là. Je vais essayer de partir de là où je vous ai donné des coups de chien. Vas-y, ok, ça marche. Vas-y, go. C'est un reblat rose, camo rose et blanc. Non, pourquoi rose? Je peux pas l'arrêter. Vous êtes à l'endroit là ou pas? On est là dans 100 mètres. Ouais, c'est ici. L'endroit c'est de tout à l'heure, là où je vous ai donné. Ouais, on est là. Ok, j'arrive, perfecto. Il est flicanesse. Okay, s'approche.
Non, non, c'est pas t'inquiète. Proche. Oh what the fuck? Alors, vous pouvez parler de mon arrivée avec le bateau, mais là, ils sont. Là, ils sont baisés, ils sont baisés. Oh merde, vas-y, oh merde. Ah, c'est mort. Individu interpellé. Oh non, non. Comme ça, pas après tout ce que tu as fait. Non, pas comme ça, bébito. Oh, circulez dans un circuit. Oui, d'accord. Très bien, très bien. Très bien. Ouais, t'es mal au pompe, t'es mal au pompe. Tout le monde s'en fout, vite. Vous avez Pépito ou pas encore? Non, non, on l'a pas, on l'a pas. Il s'est pas attrapé. Quoi? Non. Si, si. En même temps, foncer là où il y a des flics, c'était pas très intelligent. Oui, il y avait... Non, mais il y avait toute la berge en fait. Pourquoi il est arrivé? Pourquoi là? Il est arrivé exactement. En fait, c'est lui qui nous a donné la position. Et moi, je savais pas que j'aurais la position, je voyais avec tout le monde. C'est grave. Putain, je suis deck pour Pépito, c'est dommage. Ouais, dommage en vrai. Il nous a bien aidé en tout cas. Dommage, t'es con, Pépito, parce qu'il y avait du monde là. T'inquiète. Toi, tu veux qu'il te bute ou comment ça se passe? Moi, je suis quelqu'un, je dis les termes, je suis pas à mentir. Ouais, t'es pas à mentir, mais bon, lui aussi, il va pas rigoler avec toi. Il nous a quand même aidé, hein. Enfin, je sais pas si t'es au courant. Oh, oui, bien sûr. Il est courageux, mais ouais, dommage. Il est courageux, mais il est suicidaire aussi. Faut même dire que c'est grâce à lui qu'on est là, hein, parce que ouais. Je pense que sans lui, on serait à sa position. Eh, j'ai envie de faire un de ses sauts avec le 4x4 en vrai. Moi aussi, ça donne envie. Allez, bon, là. T'es lancé. Il était pourri. Fou. Le pénis. Hop là, comme un chat sur ses pattes. Voilà. Non mais ça va, c'était juste pour tester. De quoi ça va? C'était pour tester, bien sûr. J'ai l'impression d'avoir fumé 5 plus alors que je suis en manque de beurre. Ah, ma tête. Sa tête, à lui. Allô, allô, ça va, t'es vivant? Bah oui, je suis vivant, bien sûr, je suis vivant. Putain, tu t'en sors toujours des trucs de fou. Moi, je fais ça, je meurs 5 fois. Mais grâce aux Aztecas. Sérieux là? Bah ouais, ils sont venus, ils ont braqué la police. Bah ouais, parce que moi je peux pas compter sur toi. Dès que je suis dans la merde, t'es jamais là. Mais c'est normal, tu vois. Oh, c'est grave, OG, en plus. Moi oh, je suis OG. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, OG ou pas OG? Hier en plus, j'avais des trucs de ouf à te dire. T'étais en train de m'esquiver toute la soirée. Je t'ai pas esquivé, je t'ai appelé. Tu dormais comme un vieux gros là. Tu dormais, ouais, je suis parti. Ah, en plus, je suis parti dormir tard, wesh. C'est pas vrai, ça. Hier j'étais avec. Comment il s'appelle le connard de Mara là, Alvaro? Ouais, bah moi justement, il m'a frappé cet enculé. Bah oui, parce que justement, il voulait que je te fasse un guet-apens. Là j'ai une mission. Je dois organiser en fait une transaction de maître avec toi. Il va te tomber dessus. T'es sérieux là? Je te jure. Et il t'a dit oui? Mais non, justement, je voulais pas faire ça. T'es réfléchi un peu. T'es bête ou quoi? Justement, j'ai envie que on fasse ça, mais que toi, tu leur tombes dessus. Bah aide-moi, est-ce que ça arrive? Bah, tu me dis quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça, et voilà. Dimanche. Dimanche, jour du Seigneur, tu veux faire ça? Ouais, c'est mieux. C'est le meilleur moment pour enlever ses chaussures. Bah vas-y alors, ça marche. Okay. T'es là dimanche? Ah oui, je suis là dimanche. Ouais, t'es carré, bah dimanche on fait ça, ouais. Bah vas-y alors, ça marche. C'est quoi ça, OG, je sais pas quoi là? C'est quand t'es l'original gangsta, quand t'es celui qui dirige un putain de quartier. Toi, tu diriges un quartier, toi? Toi, t'es youtubeur? T'arrives même pas à diriger ta propre vie, wesh, qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est pas faux, surtout quand t'es là dans les alentours, c'est très compliqué de diriger ma vie, ouais. Voilà, c'est grave. Bah vas-y, bon courage alors, hein. Ouais, ouais, t'as des trucs à faire ou pas là? Tu veux que je te montre mon véhicule? Vas-y. Genre, t'es véhicule, t'es où? Bah, unicorn, comme d'hab. Ok, chez les putes, on arrive. Vas-y, vas-y, go unicorn s'il vous plaît les mecs. Ok, go. Je vais vous montrer mon véhicule là. C'est quoi? C'est quoi ça? Mission accepted. Vas-y, moi je voulais, je vais aller dormir. Enfin, je vais. Vas-y. Hamid? Ouais. Vas-y, montre, regarde, monte. Tiens, regarde, admiré. Mais je savais pas donc ce jeu. C'est vrai. Pourquoi faire ça? Wesh, Coast! Ça va ou quoi? Ça va ou quoi les mecs? Non. Tranquille? Mais ouais. Non, c'est que Kento. Ça va ou quoi, Piss? Check. Ouais, check. Wow. Oh, ça fait longtemps, wesh! Bah, c'est vrai. Ouais, je mets un peu de déo aussi, toi, t'abuses. Moi, ça va, oui. Soul, regarde-toi là, tu mets du déo alors, sur tes cheveux. Je te présente alors, nouvelle, on se prend des grosses claques de la part des maras et on se laisse marcher dessus? Arrête de dire ça! Ah, je réveille-toi un peu! J'essaye de faire ce que je peux. Tu veux que je te montre ce qu'il m'a fait hier? Vas-y. Tiens, regarde, t'es prêt? Comme ça, il m'a fait comme ça devant tout le monde. Ouais, mais je t'ai pas demandé de me refaire exactement. Bah, fallait mimer. Mais ça va, j'ai pas fait ça fort, t'as eu mal. Et pourquoi? Mais pourquoi ça a commencé d'où en fait cette guerre? Ça a commencé de la naissance, hein, c'est comme ça. Hein. Ah ouais? Tu nais avec un. Donc vous, attends, vous c'est les Balas et les Maras. C'est tout le monde, tous les tout mecs colorés, même toi mais normalement. Pourquoi vous avez cette haine en fait? Je comprends pas. Et même moi, apparemment. Je sais pas, je pense que tu devrais venir au milieu du quartier et nous proposer une trêve. Ça pourrait nous aider. Une trêve?
Ah ouais, une vraie trêve, genre. Les Balas, ils ont dit non, ils vont faire la guerre jusqu'à la mort. Ouais. Les Maras, bon, eux, ils comprennent un mot sur quatre, donc c'est compliqué de dire. C'est vrai, quand tu leur parles. Et vous, pourquoi vous voulez une trêve? Ça veut dire que vous êtes les plus faibles. Ah non, c'est toi qui a dit que tu voulais faire une trêve. Ouais, prends des lance-roquettes, des tanks et tout, roule-leur dessus. D'accord, je vais faire ça. Tu viens avec moi, on va chez les militaires, on va chercher tout ça. Au surplus militaire, on va au surplus. On va prendre des boots, des tasers. On va prendre quoi encore? Des couteaux de combat. Des tasers? Ouais, des tasers, ouais. Qu'est-ce quoi avec ça? Bah, tu les tases, tu vas faire quoi? T'as fait quoi aujourd'hui du coup, parce que t'étais occupé? J'étais dans un buisson, j'ai pissé. Ah, donc c'est ça OG. Je te jure, c'est ça. Original gangsta. Mais c'est clairement ça, hein. Demande-lui. C'était le buisson des cops. Mais comment tu passes de chauffeuse de taxi illégal à OG? Mais non. T'as glow up. Je me suis trompée. Je suis devenue maintenant patronne des taxis, en fait. C'est ça que je voulais dire, pas OG. Ah, c'est mon entreprise maintenant. Non, parce que tu m'as dit original gangsta tout à l'heure. Non, n'importe quoi, c'est original driver. Ah, ok. Bah vas-y, bon, autant pour moi alors. Putain, mais tu m'as fait peur. Je dis, ouais, je t'ai depuis quand? Non, parce que tu m'as dit, je gère un putain de quartier. Tu m'as dit comme ça. Mais oui, mais le quartier du taxi, tu vois. Ah, le quartier du taxi, ok. C'est vers les motos là-bas. Là. Ah ouais, et ça va, ça fonctionne bien le business? Mais du coup, en fait, quoi, les Maras, ils aiment pas les taxis ou quoi? Ils ont du mal avec eux parce qu'on nique leur business, parce qu'on vend plus, on a plus d'argent qu'eux, ils sont pas contents. C'est Uber. Attends. Là, je te regarde, tu me dis, t'as plus d'argent que les Maras. La même chemise depuis 1950. Ta coupe de cheveux. Voilà, c'est une serpillière, c'est abusé, wesh. Comment ça, t'as plus d'argent? Tu caches bien ton jeu, en tout cas. C'est pas dans la tenue, regarde la preuve, t'es habillé comme un clodo et je suis sûr que t'es. Non, regarde, wesh. Écoute, je sors d'une flica. Flic quoi? Flica. On n'est pas ça, moi, je suis pas dans ça. On a fait un triathlon, c'était incroyable. Bateau, nage, voiture, nage, rebateau, trottinette, vélo. Incroyable. Et Astécas. Ouais, Astécas. Et bateau sur route aussi. Ouais, bateau, Bob il a défoncé deux voitures d'Astécas avec son bateau. Incroyable. Strike. Il a pas ça a changé. Attends. Quoi? Il a changé. Mais Bob, c'est devenu un thug, hein. Bah dis, je veux pas devenir un taxman parce que j'ai peur que. C'est devenu un thug de ouf. Mais va te faire foutre. Non, mais attends. T'en penses quoi, Pils, ma voiture alors? Quoi? Tu l'as volé à qui? Bah voilà, je l'ai pas volé, je l'ai acheté, t'es sérieuse? T'as un problème avec l'heureuse ou pas? Mais au contraire, j'ai aucun problème, j'ai que de l'amour. C'est vrai que je sais pas, on dirait que t'es né avec les. Et toi, et le verre, ça va le verre? Le verre caca doigt? Ça se passe bien? Tu veux que je te chie dessus pour te montrer si ça se passe ça bien? Ça va, ouais, je veux me gifler. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Tu m'accueilles avec une gifle, c'est grave. Tu m'as manqué. D'ailleurs, faudrait que tu repayes la maison, j'aimerais dormir là-bas. Bah là, j'ai une maison là, à la plage. Comment ça, t'as une maison à la plage? Bah, j'ai une petite maison quoi, tranquille. J'ai pas les clés, j'habite pas là-bas, tu m'as pas. Non, c'est bon, toi, tu fais tes coupes tout seul. Ouais, t'as cru vraiment été marié ou quoi, wesh? C'est ce que tu m'as dit l'autre fois, non? De quoi? On est mariés pour la vie et la mort. Ouais, bah surtout pour la mort en ce moment. Oh parce que la vie, je la vois pas trop. Hein. T'es marié? Ah oh ouais. Il est pas là, princesse? Non, il est pas là, il est en train de cagner des meufs, je pense. Oui, enfin, je par les meufs. Ouais, je pense, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est qu'il y arrive souvent, princesse. D'ailleurs, ah, voilà, il me manque de mettre des coups de batte dans sa tête. Mais... Bah t'inquiète pas, je pense que demain il sera là, donc tu pourras. Bah, tu sais quoi, dimanche? Attends, dimanche c'est mieux. Ouais. Tu veux faire le truc là, dimanche? Ouais. Bah vas-y, vers quelle heure? 22, 22:30, c'est bien. Ok, rendez-vous. Rendez-vous dans ton cœur. What the fuck, c'est quoi ça? Je me suis trompé, autostoppeur. Ah, voilà. Bah, vas-y, on fait ça alors. Ouais, tu me diras. 22h30, de la trêve. Je ramène des calaches au cas où s'ils veulent pas. Tu ramènes tout, les tanks et tout, comme t'as dit. Vas-y. C'est pas important. Vas-y. Bah, salut alors, OG, à dimanche. T'en vas là? Non, bah, oui, là j'y vais là. Ça y est, Tu vas dormir, ça y est. Je vais au cybercafé, je vais à Rainbow Six. Ça. Ah vas-y, beaucoup. Fragile. Avant j'étais forte à ça, mais j'ai pas. Ouais, bah ça c'était avant ça. OG, hein, taxi. Allez, bisous. Bob, salut. On te laisse. Ouais, ça marche, à la prochaine. Man. Allez, salut. Salut, boy. Bob, viens avant lever des gens. Bien. Tu la connais, Pips, ou pas? Bah ouais, c'est mon ex. Hein? Ex. C'est ton ex? Bah ouais. Pourquoi tu croyais que j'étais distant? Mais dis, oh là, c'est ton ex! Bah, c'est mon ex! Attends, je vais l'appeler, c'est grave cette histoire, j'étais pas au courant, moi, frère. Allo, ouais. Ouais, ça va ou quoi? Tu me manques déjà? Eh, dis-moi. Hamid, c'est ton ex? Alors, non, c'est un mec qui me draguait comme ça, c'était juste un jeu pour rigoler. Mais c'est un bon gars, et d'ailleurs, je crois qu'il est mort depuis, j'ai pas de nouvelles. Vas-y, ok, ça marche. Oui, monsieur? Pourquoi? Ouais, ça va. Attends, il y a des. Ouais, ça va et toi? Il y a des verres qui me parlent? Oui? Laisse-les, ils vont t'attaquer, barre-toi. Tu vois du verre, tu t'en vas.
faut, si je vois du vert, faut que je m'en vais. Ça marche. Bizarre, salut les mecs. Bizarre. Pourquoi tu me demandes ça pour Hamid? Non, parce que. Non, par curiosité, c'est pour ça, t'inquiète. Ouais, ok, tu me raconteras ça plus tard. Ouais, parce que non, parce qu'il était à côté en fait, c'est pour ça. Il était à côté de moi. Bah oui, c'était lui. Dis d'aller se faire enculer parce que j'ai pas de nouvelles et que je le connais. C'est lui. Vas-y, ça marche, je vais lui dire ça alors. Merci. Bah, je t'en prie. C'est une custom à 55 000, les gars. Hamid, j'ai un petit message de la part de Pils. Ouais. Elle m'a dit, va te faire enculer. Bah, ça tombe bien. Je vais l'appeler. Comment ça j'ai changé? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et quand j'étais au Hebs, est-ce que t'es venu me voir toi? Écoute. Ah, c'est quand j'étais à Burning Brooks, est-ce que t'es venu me voir ou t'es pas venu me voir toi? Je suis comme les autres et j'ai pas. Écoute-moi bien, efface mon hum, oublie-moi. Oublie-moi, ça, et nous deux c'est fini. Vas-y, fais le bonhomme. Écoute-moi bien. À un moment donné là, écoute-moi bien. Là, ce qui se passe, c'est que t'es là, bim, comme ça, je suis là, tu me calcules pas, t'as cru que j'étais qui pour toi? Tu es qui? Tu te fous de moi ou quoi? Il fait le mec jaloux et tout. Toi, j'étais en prison. Est-ce que toi tu m'as calculé quand j'étais en prison? Non, écoute-moi bien, efface mon hum, oublie-moi, nous deux, c'est terminé. Voilà! Voilà! J'applaudis, croyant! Ça, c'est bien, ça!